aujourd'hui, je viens vous faire un petit tuto sur des embellissements sur le thème de la mer. Vous voudrez intégrer des embellissements. J'en ai fait quelques-uns déjà pour vous faire voir un petit peu. Je vais en faire de deux sortes. Alors, et je vais aquareller avec des feutres aquarellables. Ce sont des feutres Tombow. J'en ai deux sortes, hein, deux marques différentes, et des feutres Lycra, de la marque Lycra. Ce sont des feutres aquarellables. Pour certains tampons, je vais les tamponner à la Stazone. Pour ceux qui ne connaissent pas la Stazone, c'est une encre à solvant. Je ferai d'abord d'ailleurs un tuto sur les encres. Les encres celles que je possède. Donc là, notamment, c'est une encre, la Stazone, c'est une encre à solvant qui se ne nettoie qu'avec la Stazone. C'est le solvant pour la nettoyer. C'est une encre aussi qui marque sur tous les supports, enfin, sauf le tissu, je crois. Moi, j'ai jamais utilisé, oui, c'est ça, sauf le tissu. Elle ne s'utilise pas sur les tissus. On a plusieurs couleurs d'encre. Il existe beaucoup de couleurs. Et ce qui est intéressant sur cette encre, elle marque sur les photos, sur les rhodoïdes. Donc, c'est très intéressant. Je l'utilise beaucoup. Et certains tampons avec la Stazone et certains tampons, on va les faire à la Versamark et je vais utiliser de l'embossage à chaud. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Versamark, c'est une encre collante. Et ensuite, on verse de la poudre à embosser. Et puis, on chauffe avec le knit gun. Alors, là, j'ai commencé à en faire quelques-uns. Notamment, ceux-ci-là ont été embossés. Ensuite, je les ai colorisés avec mes crayons aquarellables. Donc, pour ceux qui ne voient pas bien, voilà, regardez, je les ai faits avec de la poudre argentée. Petit poisson aussi, celui-ci. Ce petit coquillage-là. Alors, Nemo, je l'ai colorisé avec de la poudre noire embossée, puis ensuite j'ai colorisé le. Alors, moi je ne l'ai pas fait sur des. Alors, certains peut-être, non, même pas. Je ne l'ai pas fait sur. Comme j'ai utilisé des crayons aquarellables, on devrait aussi utiliser le papier aquarellable, mais moi j'ai utilisé mon papier que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Pour faire mes embellissements, c'est un papier Stoll. Enfin bon, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et puis moi, ça me convient pour la colorisation. Je vais en faire certains. On va en faire de deux façons différentes. Je vais utiliser deux papiers. Comme ça, vous allez voir la différence entre les deux. On va utiliser un Bristol et je vais tamponner certains tampons que je vais coloriser ensuite. On va utiliser le papier aquarelle de chez Canson. C'est la dernière page. En fait, je vais certainement accélérer à certains endroits, hein. Je vais vous dire ce que j'utilise et puis après, je vais accélérer pour les En premier tamponnages. temps, J'utilise le papier aquarellable de chez Canson. J'utilise ma planche à tamponner. Je vais utiliser plusieurs tampons. Thank you.
me paraît bien. Il faut les nettoyer tout de suite. Donc je les nettoie avec le solvant. Donc voilà les tampons faits. J'ai nettoyé tous les tampons avec le nettoyant Stazone. Pour la colorisation de ces 5 tampons, je vais j'utilise deux façons différentes quelquefois. C'est soit l'une, soit l'autre. Soit je positionne mes couleurs sur une plaque de plexi. Ça, c'est les plaques de plexi. Vous savez que l'on tamponne les tampons clear avec. Ça nous aide à positionner l'encre sur le papier, sur les papiers. Et je le positionne sur du blanc. Et ensuite, je marque, vous voyez, avec mes crayons Stazone. Les crayons Tombow ou alors les autres, l'autre marque, Lycra, je les positionne plusieurs couleurs sur ce bloc et par contre je le positionne sur du blanc parce que si on le positionne sur du noir, on ne voit plus les couleurs qu'on a posées sur le plexi. Donc là je les positionne sur du blanc, sur une page blanche et là je vois ce que j'ai comme couleur où je les ai posées. Mais pour cette fois-ci, je ne vais pas utiliser cette façon-là. Je vais utiliser, alors j'ai utilisé aussi cette façon, je mets une feuille blanche dans une feuille de classeur transparente. Et je pose, parce qu'en plus comme ça, j'ai plus de place pour faire ça. Et je pose mes couleurs sur le papier. Donc là je vais utiliser du bleu, pas mal de bleu. Il fait très sombre aujourd'hui, donc ça c'est pénible parce que pour filmer c'est pas facile. Commencer par l'étoile. Alors l'étoile je vais la faire en orange, j'ai mis du bleu là pour l'instant mais on va la faire en orange. Et ensuite j'utilise aussi un pinceau à réservoir d'eau. Alors on peut aussi, ceux qui n'ont pas le pinceau à réservoir d'eau, ce qu'il faut faire c'est mettre un petit pot d'eau et un pinceau et vous prenez un pinceau très fin. C'est mon pinceau à réservoir d'eau, la mine est comme ça, je vais vous montrer. Alors voilà, donc là on prend un peu de couleur. Et puis on vient coloriser. Voir la différence entre quand on fait avec la Versamarque et la poudre, en fait ça fait une barrière parce que là l'étoile, ça y est, j'ai débordé. Enfin, il suffit qu'on mette un peu trop d'eau et là vous allez, je vais vous rapprocher, vous allez voir, ça a débordé juste dans le petit coin là. Alors c'est pas grave bien, mais bon. Je vais essayer d'utiliser deux oranges pour voir là. Alors j'ai toujours un torchon à côté de moi pour essuyer mon pinceau. Parce qu'en fait j'utilise que l'eau qui est dans le réservoir. Hein. J'utilise pas d'autre eau qui vient d'un pot. Hein, pas du tout. Pour faire mes mélanges, je fais comme ça. Et puis j'essuie mon pinceau, il est propre, voilà. Alors pour ce qui est donc de l'étoile, je trouve que c'est suffisant. Je ne reviendrai pas dessus. Alors maintenant on va faire le fard.
appuyer, hein, quand on prend un pinceau à réservoir d'eau, on n'appuie pas. Ça se fait tout seul. Hein. L'eau vient toute seule. Il est super bien. Ça fait très 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 longtemps que je l'ai, mon pinceau à réservoir d'eau. Mais alors, je l'aime beaucoup. Que j'ai fait, je le trouve très bien comme ça, je vais le laisser. Thank you.
voyez le rendu de la première, la deuxième ensuite. Alors, pour ce qui est du fard, je vais reculer un peu pour que vous voyez bien le rendu du fard. Je trouve qu'il est pas mal réussi. L'encre. Voilà. Je vais tamponner la Versamarque. C'est une encre collante, comme je disais. En sorte que ça soit bien appliqué partout, j'appuie bien. L'avantage avec cette plaque de tampon, c'est que l'on peut retamponner et le papier n'aura pas bougé. Ça, c'est un sacré avantage. Voilà, c'est bien ce que je disais. Je regarde si tout a été bien . Alors les embossages à chaud est terminé, on va passer à la colorisation. Donc c'est la colorisation avec l'embossage à chaud. Donc, en fait, vous allez voir, ça fait une petite barrière et ça déborde très peu. C'est pour ça que je l'ai fait sur du papier Bristol et non sur du papier aquarelle, parce que ça ne va pas du tout déborder. C'est ça l'avantage. Thank you.
ça, c'est terminé. Mais en fait, vraiment, vous pouvez mettre beaucoup d'eau. Ça ne se voit pas, enfin, on ne déborde pas du tout. Hein. Fait ce qui ont séché, regardez là, ils ont bien séché, ils n'ont pas mis de temps à sécher. Je trouve qu'il est super joli. Mon ah, ouais, le phare il est super joli comme ça en gris, comme ça. Les petites mouettes, c'est pas je mal. Je vais détourer. Alors, moi pour les détourer, je les détoure avec mon petit ciseau pince. C'est un petit ciseau à pince comme ça, avec une lame courbée. Et je trouve c'est très très pratique pour les détourages. Je l'ai découpé avec ce dice là. Vous n'allez pas bien voir. Avec ce dice là. Voilà. Je l'ai mis juste, comme le papier n'était pas assez grand, je l'ai mis juste d'un côté.
pour faire la découpe. Et pour... Mince, j'en avais un autre tout de suite à l'instant. Il est où ? Qu'est-ce que j'en ai fait ? Et pour cette découpe-là, à l'aventure, je l'ai passé dans ce die-là. Alors, c'est pas grave, c'est un petit peu de travers, mais ça fait son genre. J'ai passé à ma Big Shot, parce que j'avais pas de die qui pouvait aller dans... Enfin, comme je voulais. Donc, j'ai utilisé ce die-là. Je l'ai mis comme ceci sur ma plaque. Mon papier était un peu plus long. Et en fait, j'ai découpé une première découpe. Comment je vais m'expliquer? Une première découpe, je l'ai découpée comme ça jusqu'à dans le milieu. Et ensuite, j'ai changé de côté. J'ai découpé ce côté-là. Et comme ça, ça m'a découpé un petit découpe de chaque côté. Voilà tous mes embellissements que je vais intégrer dans mon album. Et je vais peut-être en rajouter certainement. Mais voilà, un petit aperçu de mes embellissements de mon album. Bon, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, à me laisser un commentaire et à activer la petite cloche qui est sur le côté en haut à droite. Bisous, à bientôt !